Bien si j'ai ça. Ouais, si je le prends vite, on va passer à 100%. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Très très bien. Hop, on disperse. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, je vais pouvoir... La faction dangereuse. On va pouvoir, par exemple, prendre Cantabri. Ici, qui doit posséder... Un seul duché? Tu possèdes pas l'Asturie. Mais est-ce que je peux te révoquer des titres? En plus, t'es catholique catalan. Pravia. Burgos, c'est ça. Très bien. On récupère tout ça. Ça va faire plaisir. Pouf! Parfait. Toi, tu es catholique catalan. Donc non. Attends, mais je t'ai pas... révoqué tes titres. Je t'ai pas révoqué tes titres. Ah, c'est juste un. Acte de tyrannie. Ok. Je n'en ai révoqué qu'un seul titre. C'est pas très grave. Ouais. On a qui d'autre qu'on va pouvoir embêter? On a toi. Évidemment, toi qui étais beaucoup trop violent. Révoquer le titre de duc de Baïa. Voilà. T'es plus duc. Plus duc de Baïa. Hein? Nous, on va nommer à la place quelqu'un de méritant, toi. Très bien, et tu prends le duché de Baïa. Parfait. Ensuite, toi, tu te révoltais, je crois, aussi. Révoquer le titre. Tu possèdes rien. Pas un duché. Duché d'Algabre, très bien. Il est où, ce duché? C'est lui au sud. Très bien, toi tu es catholique andalou. Catholique andalou. On va prendre Cantabri et on va lui donner. Biscay, on va lui nommer. Ça n'a rien à voir, mais peu importe. Voilà, tu possèdes ça aussi là-bas. T'es un peu plus fort maintenant. Ensuite, qui d'autre se révoltait? Toi tu te révoltais pas. Cantabri, c'est dommage que je t'ai raté complètement, j'aurais dû faire ça. Lui retirer ça. C'est un acte de tyrannie, malheureusement. Toi, tu te révoltais? Non. Toi, tu te révoltais pas. Toi non plus. Toi non plus. Toi, oui. Mais je t'ai déjà retiré ton titre. Je sais plus. Re-clan d'atou. Ouais. Je peux pas t'exiger une conversion et toi? On peut. Il va accepter, ce sera très bien. Toi, on peut. T'es même pas mon vassal. Toi, je peux rien faire. Toi. Toi, je peux rien faire non plus. Je voulais seulement votre salut. Tant pis, accordons une audience. Avancez-vous. Prédicateur aimé des paysans. C'est bien. Après, ouais, le contrôle va baisser. Augmentation du contrôle. Léonore devient grand aumônière. Vas-y. Il tient de son père, 33 de redoutabilité. Une guerre contre le duc Bidule. Duché de Poitiers. Allié de Gascogne et Poméranie. Mais bon, on va pas le faire tout de suite. J'ai une faction dangereuse encore. Qui est pas si dangereuse que ça en fait. J'ai rien dit. J'aurais pu l'attaquer. Toi, Gascogne, à tout hasard. Moins 30. À cause de l'acceptation culturelle. Effectivement. C'est compliqué ça. Et ici, ouais, faut que tu fasses ça. Faut qu'on gagne de l'or. Très très bien. On va bientôt pouvoir construire l'Hispanie. Je veux bien. C'est à qui ça? Se défend, se défend. Bonne chance, je sais pas qui t'es. Ah, c'est toi au sud. D'accord, il y a dû avoir des héritages à la noix, c'est pas grave, ils vont récupérer ça. Oui, transférons. Voilà, très bien. Des prisonniers peuvent être rançonnés, allons-y. Et toi? Héritier, c'est toi qui hérites.
Toi, tu m'ennuies. Exiger une conversion. Merci. On a toujours trop de provinces. Pourquoi on en a 8? Je ne sais pas. En tout cas, convertis ça. Pourquoi on a 8 provinces? On a quoi comme province? Saint-Jacques-de-Compostelle, Corogne, Tolède, Géant. Alarcon. On a récupéré Alarcon. Et Teruel. Très bien. Toi, tu es catholique galicien. Parfait. Prends Alarcon. Ouais. Au passage, c'est quel duché, ça? C'est ça. Je ne peux pas l'usurper parce qu'il n'est pas à moi. Et toi, Teruel, t'appartiens à qui? À ça. Catholique andalou. Oui, vas-y, on t'accorde le titre. Il n'y a pas de problème. Très très bien. On est en guerre à droite. Ouais, ça est compliqué. Je viens même pas t'aider. Tant pis pour toi. T'es jamais venu, hein. Quand même, on a bien progressé. Aria. Oui, c'est pas mal, Aria. Très bien. Ici, ils sont en train de perdre lamentablement. Merci pour ce poème. On peut fonder un nouvel empire. Oui, mais attendez, avant de fonder un nouvel empire, on va fonder l'Hispanie surtout. Hop, finissons-en avec ça. Un peu d'or, un peu d'or, ça fait plaisir. Et maintenant, on clique là, on clique sur Hispanie, créer le titre. Ça, c'est fait. On a l'empire d'Hispanie qui est à nous. De la pauvreté à la richesse et l'ascension, évidemment. C'est cool, on a réussi l'objectif de faire l'Hispanie. Bon, en théorie, si on convertissait tout, ce serait bien aussi. Je crois qu'il reste des succès là-dessus. Sera libéré aujourd'hui. Oui, vas-y, si tu veux. Voyons voir les succès. Succès possible. Alors, on a 0 là. Attends, mais pourquoi 0 sur 9? Ah, parce qu'ils sont non remportés, mais on s'en fiche. Ouais. Si je devenais nu, ce serait bien. Au passage, je gagnerai ce titre-là. Ibérie ou Ibérie, c'est ce qu'on vient de faire, normalement. Mais il faut contrôler toute l'Ibérie. Donc il faut qu'on conquiert l'Andalousie, en plus. Ça, je peux pas, j'ai fait l'autre. Donc on continue sur Ibérie ou Ibérie. Déclaration de guerre, normalement, je peux faire affrontement. Merci. Et donc nous, on va avancer, se mettre là, lever tous les hommes d'armes. Lever l'ordre religieux. Voilà, très bien. On réunit tout le monde, mais on va prendre quelqu'un capable d'assiéger plus vite, c'est possible? Eh oui, il y en a un, toi. Go! On charge. Ça va lui faire les pieds. Un peu de prestige, merci. Ah, ça lui fait mal, hein. Sa seule chance, c'est d'aller assiéger notre capitale. Très bien, on gagne plein d'or, plein de trucs. Go, allons-y, j'ai hâte, j'étais pas en pause, j'étais rapide. Chasseur prolifique, délai entre les chasses, moins 50%. Chasseur devient prestigieux, et les personnages jetaient un trait de chasseur plus souvent. Vitesse de voyage, plus 15%. Très bien. Est-ce que ça peut être pris vite? Allons-y. Médiation, plus de diplomatie, c'est très bien. Allons-y, encore une fois. Conclusion prématurée, la mi-fin, c'est pas grave. Est-ce que je suis chasseur? Je suis chasseur. Perte de stress. D'accord, je gagne un peu de prestige grâce à ça. Ok, je suis en guerre contre lui. Je sais pas qui t'es. C'est le Maghreb. Ah, il y a l'Empire du... D'accord. Mais non. Est-ce qu'il va vouloir rester jusqu'au bout? Kodeman et Birman. Vas-y, accepte. Je sais pas ce que ça vaut. C'est nul. Non, c'est la mienne en plus. Plus de prouesse, vas-y. Très bien. Tu t'es pas enfui dans mon sens. Fin de la guerre, excellent. Au revoir l'Andalousie. Poum, ça c'est fait. Très très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Stationner des gendarmes. Des hommes d'armes. Oui, là-haut.
Non. En bas. En Andalousie. Ça ira très bien. Je suis à 7 sur 8. On peut transférer. Acceptons. On peut rançonner. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Des enfants ont besoin de tuteurs. Toi, en martialité, t'as mon chevalier. Et toi, Guillaumard, bah pareil, mon chevalier. Très bien. Ma fille Orphéa peut se marier. Ça dépend, j'ai quel âge. 52 ans. Tu as 19 ans. Je suis désolé, mais tu vas attendre. Et notre chancelier, ici, 29. C'est pas mal. Les affaires intérieures, s'il te plaît. Toi, la culture. Oviedo. À tout hasard. Quoique... tu es quelle culture? Mozarabe. Galicien, toi. Très bien. Promeux ici. Et toi, t'es en guerre contre l'autre et t'es en train de perdre. Va voir comment il se débrouille. Mais s'il est en train de perdre... autre. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Malheureusement, on peut pas. Toi, Bragance, oui. Faut des sous. Et toi, on va t'attaquer, hein. Affrontement. Let's go. Et je vais tellement être violent. On va faire ordre en religieux. On le prend et on attaque juste avec l'ordre. Voilà, on le défonce mais sans s'impliquer. Vas-y, sors de prison. Voilà, fin de la guerre. Merci l'ordre religieux. Boum! On a toute l'Hispanie à nous. Guide de guérison. Si tu veux. C'est pas mal ça. Toute l'Hispanie. Après, il me semblait que j'avais un succès qui était censé être fait. C'est quel succès on avait dit? On avait dit Ibérie ou Ibérie. En tant que personnage ibère, contrôler toute la région de l'Ibérie caucasienne. Oui. Est-ce que j'ai un truc qui parle d'Ibérie? Ici, non. Hein. Ça s'arrête où, l'Ibérie? Une petite chasse, allons-y. Ça se passe ici, très bien, let's go. Nouveau départ, très très bien. Oui, non, retarder 30 jours, ça fait beaucoup. Oui, rejoue. Ah, ben, il est blessé, raté. Je suis plus blessé. Non. Voilà, on augmente l'appréciation. Très bien, entre les Basques. Les Occitans. Les Occitano-Basques. Poésie raffinée. Non. Devenir poète, c'est bien. Et ça, on l'a fait très très bien. On va aller vers les soins constants. Bonus moyen au niveau de la santé. Plus 10 d'opinion du conjoint. Et moins de complications lors de la grossesse. Très très bien. On est arrivé. Il reste encore une dizaine de jours, ça va. On était large. Très très bien. Et je comprends donc pas pourquoi j'ai pas Iber ou Iber. Hein. Joli tir, il a eu le cerf. Et nous, chasseurs, on progresse. Hein. Donc c'est pas mal. Non. Oui, j'ai parlé d'Ibérie caucasienne. J'arrive pas à savoir. Regarde, je te montre dans les succès. Le succès Iber ou Iber. Enfin, Ibérie ou Ibérie. C'est l'ancien empire perse. C'est-à-dire, c'est pas ça, donc. C'est pas cette Ibérie-là. C'est où? Parce que j'ai pas moyen de le sélectionner. Moi, je pensais qu'il me suffisait de conquérir l'Ibérie et j'étais tranquille derrière. Mais a priori, non. Joint rejoint la cour du comte. Non, certainement pas. Tu rentres avec moi. On va faire ça. Ah, tant pis. L'Arménie. Ah! Donc, si je me trompe pas, l'Arménie, c'est... là. Enfin, c'est par là, quoi.
Ça fait loin. Mais pourquoi ils appellent ça Libérie caucasienne? Ça doit poser des problèmes de compréhension. Catholique occitan. Allié avec Alba. Quand même. Déclaration de guerre. J'ai affrontement. 2400 de piété. Je sais pas comment ils se sont retrouvés Ibères. Certainement comme les Indiens d'Amérique. Qui se sont retrouvés Indiens parce qu'il y a un gars qui s'est dit, bah oui, vous, c'est l'Inde ici. Donc vous êtes des Indiens. Dans le coin, moi, je peux construire quelque chose. Ah oui, une université. Non, ça m'intéresse pas, l'université. Enfin, pas pour l'instant. J'en suis où ici? J'ai bientôt les casernes, dans 2 ans. Caballeros, peu importe, j'ai envie de dire, ça se fera tout seul. Ma capitale, je peux construire un bâtiment de plus, ce serait bien que je le fasse un jour. Sachant que nous avons des archers. On pourrait faire ça, hein. Plus 10% de puissance pour les archers. Ou alors fort des collines, quoique non, ça sert à rien. Bon, on va faire ça, un forgeron. Ça ira bien, forgeron. La corogne. Toi, fais-moi des pâturages, monterai. Fais-moi la carrière. Coimbre, je ne sais pas. T'es déjà au max. Tolède, t'es déjà au max. Sachant que forgeron, ça marche pas. Parce que j'ai pas le titre de duc. C'est toi qui as le titre de duc ? T'es Mozarabe andalou. On va essayer de te convertir pour te révoquer, toi. Catholique galicien. Déjà que je peux pas te demander d'arrêter ta guerre. Ça m'ennuie très fortement parce que lui, il va se faire bouffer. Très bien. Ambassadeur culturel qui a fait son taf. Appel à la guerre. Oui, si tu veux, la dernière fois que je suis venu, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a pas intéressé. Wikipédia est mon ami. Oui. Effectivement. Effectivement. Tu es Géorgie. D'accord. Je regarderai plus tard, hein. Je vais pas faire ça en live, si tu veux bien. Merci. Poil le genou, parfait. Ça fait un peu d'or, c'est vrai qu'on manque d'or. Faudrait que ça remonte un peu. Bon, en même temps, on a un peu investi. Ce livre a l'air intéressant. C'est ton problème. Je vais pas payer, je dis j'ai besoin d'or. 15. Est-ce que j'ai mieux? J'ai 18 et j'ai 22. Vas-y, toi. Très bien. Toi, recrute ça. Toi, c'est parfait ce que tu fais. Quoique ça, plus de prestige. Prestige du vassal. Opinion du vassal, ça c'est bien pour améliorer juste un gars. L'autre bout de la mer Noire. Ouais, bah j'étais bon. Hein, j'étais bon, j'étais là. Hein. Géorgie, tu vois, elle était là, je pointais ça. C'est ça la Géorgie, mais c'est un peu plus gros que ça, j'imagine. Mais comment venir ici pour lui déclarer la guerre alors que c'est trop loin pour interagir? À l'origine du royaume géorgien. Ok. Abkhazie. C'est eux qu'il faut attaquer. Non mais c'est pareil, ils sont trop loin. Faut que je me rapproche. On va donc attaquer eux. Guerre sainte pour la Sardaigne. Très bien, on va se mettre là. On va lever tout le monde. Et on va débarquer là. Très bien. Journal intime ou athlétique ? Journal intime, c'est du 100%. Nouvel atout ici, très bien. Moi, j'adore apprendre sur le tas, c'est pour ça qu'on fonce dessus. Victoire, très bien. Allez, hop. C'est ce qui est bien avec ces jeux-là de la série Paradox. C'est qu'on apprend des choses. Entre Europa Universalis et Crusader Kings 3... Moi j'avais joué à Europa Universalis 2 quand j'étais enfant. Et c'était juste cool. Qui es-tu? Tu n'es personne. Raté. Bon, ça c'est fait. Ta capitale, je sais pas où elle est. Bon, on va rester ici parce qu'on assiège. Mais attendez, non, ordre religieux. Oui, venez vite.
Débarquez là. Non mais débarquez. Mais c'est bon. On paye 36 mais c'est pas grave. C'est quand même des gars très forts. Ça double mon armée. Mon hameçon a expiré, c'est pas grave. Commandant promu, c'est pour ça qu'on lui fait faire. Ah ouais, tu l'as poncé. On a un gars sur notre Discord aussi qui l'a bien fait. Moi, j'arrive pas. J'arrive pas à... Je sais pas pourquoi les mécanismes me... Ou alors peut-être que j'aime bien jouer avec les petits au début, toi. On a commencé avec Saint-Jacques-de-Compostelle sur cette partie. On n'a pas commencé directement avec l'Empire d'Asturie. Enfin, le Royaume d'Asturie. Parce que c'est un peu trop facile, sinon, je trouve, de commencer avec les grands. Bon, après, on se retrouve avec une super province qui nous rapporte 3 d'or à chaque tour, enfin chaque mois. C'est quand même très utile. 92%. 100%. Ça, c'est fait. Fin de la guerre. Boum! On a récupéré la Sardaigne. Sardaigne qu'on va donc céder à un Galicien. Très très fort, 23. On va usurper la Sardaigne. Voilà. Donc toi, on va... Non, on va disperser tout le monde. Et on va te céder le titre de duc de Sardaigne. Très bien. Voilà, comme ça il va pouvoir propager notre culture, ce sera parfait. On peut rançonner un petit peu, on peut gracier. Duché de Languedoc. Si je voulais t'emprisonner, 20%, on va te gracier. On va te gracier. Tu seras bien. Ma fille peut se marier. Ça, on a dit que ça attendait. Tuteur pour Mugno. Mugno en diplomatie. Moi. Très bien. Et donc voilà, on est arrivé en Sardaigne. C'est un gameplay différent. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est différent. Ici, t'as toutes les guerres de succession, t'as les embrouilles, quoi. Après, Europa Universalis, ouais, non, mais il y a toute la question, y a tout le côté historique qui se rajoute et qui fait que c'est un excellent jeu, rien que pour ça. Est-ce que t'es toujours trop loin? Trop loin pour interagir. Toi, trop loin pour interagir. Toi, Capou, pas de Cassius Belli. Ah, ça change. Pas de Cassius Belli contre l'émir. Pas de Cassius Belli. Toi, tu possèdes ça. Bon, bah, toi, quand t'auras fini, il va nous falloir un Cassius Belli, hein. Va falloir qu'on joue à l'ancienne. C'était tellement bien avant. Vous avez découvert les casernes. Donc, il doit se fasciner pour Caballeros. Pas du tout. Ça me va. Ça m'intéresse pas, Caballeros. Ça m'intéresse pas non plus. 25% de vitesse en plus. Ça m'intéresse. 30 ans plus de soldats. Très bien. Ouais. Est-ce que on peut... On a deux artefacts ici. Non, deux gens qui veulent nous parler. Je vais laisser tranquille. Ça remporte du prestige. Tout le monde est content. Et ici... on doit avoir un nouvel artefact, j'imagine. Chronique de Maison Menendez. On s'en fiche. C'est vrai que je peux vendre des choses. Si je veux, pour récupérer un peu d'or. Mais j'ai pas grand-chose, en fait, à vendre. Ok, tant pis. Et ici, je dois pouvoir faire ça maintenant. Non, j'ai toujours pas les remparts. Par contre, je peux améliorer ça. Et ça change tout. Mes escarmoucheurs et mes archers qui viennent plus fort. Ouais, ça change tout. Très bien. Commandant s'améliore. Attaquant agressif. Très très bien. Vas-y, poil genou. Ça fait plaisir. Bel effort. Très bien. On a 5000 de prestige. Est-ce qu'on peut faire diverger la culture? C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est réformer la culture. Si je clique là, ce qui veut bien... Non, trop récemment. Pas avant 1035. Ok. Annulons. Et faire diverger la culture. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Plus de piété. Augmentation du contrôle. Stoïque. Comment ça marche? Belliqueux. Les hommes d'armes coûtent moins cher. C'est pas mal. Plus de prouesse. Fascination culturelle plus 5%. Limite de vassaux plus 10 et tout le monde se porte mieux. Ça peut être intéressant, égalitariste. Avec vous en tant que chef culturel. Oui, bien sûr.
On est déjà spirituel hein, pour l'instant. Ouais. Ça serait intéressant, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Culture hispanique, oui. Moi, je pense que ça pourrait être pas mal. Communautaire, mercenaire de même culture. On va partir vers l'égalitarisme. Rien que pour... Bah, ça sert à changer les bonus. Tu vois, là, j'étais spirituel. Ça mettait des bonus de piété plus 10%, augmentation du contrôle plus 15%, coût de création de réforme de la foi moins 20%. Et par contre, les minorités, ils m'apprécient moins. Moi, je vais aller vers l'égalitarisme. Gain d'acceptation culturelle plus 35%. Limite de vassaux plus 10%. Culture et opinion de culture différente et de foi culturante. De culture différente et de foi différente plus 5. Comme j'ai beaucoup de culture et de foi différente, ou peut-être pas de foi différente, mais beaucoup de cultures différentes, ça commence à être intéressant, je pense. Voilà. Très bien. Regarde. Tout ça, c'est des cultures différentes. Et je deviens culture hispanique. Ah! Très bien. 23 mois pour la corogne. Merci. C'est... Ouais, changer de cap. Succès remporté. Fais pas plus que nécessaire. Voilà, je suis malade, mais c'est bon. On se fascine pour rempart. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a eu? Il y a rien qu'à changer là, mais maintenant on se fascine pour rempart. Non, ça facile pour chronique. Plusieurs revendications d'une seule guerre. Bof. 30 ans. Oui, on va rester là-dessus. Tu veux un financement? Vas-y, on te paye. Pour l'Empire d'Hispanie. Très bien. Accordons une audience. Oui, par contre, t'as vu qu'on a perdu des territoires. Hein. En changeant ça, j'aurais pu nommer la culture madienne si je voulais. Très bien. J'ai même pas lu. Vous avez obtenu dirigeant indigne. Ah! Mais ma cour royale maintenant est niveau 9. Mendo. 21. Est-ce que j'ai mieux? J'ai 26 ici. Ça fait gagner 4 mois. Hein. Efforts commerciaux. Merci. À la corogne. Ça, faut que ça monte vite, hein, de toute façon. Faction dangereuse, contrôle... Oui, bon, bah, ça, je pourrais m'y faire. Je ne suis plus malade, très bien. 75%. Très bien. Il est content. La Sardaigne, elle est bien ici. Toi, je peux toujours pas t'attaquer, non. Toi, tu convertis 26 jours. Très bien, si je voulais te déclarer la guerre. 2 ans. Peut-être que je peux aller plus loin, en fait. Si je voulais aller plus loin. Parce que ça, si je veux y aller, ouais. C'est compliqué. Bulgarie, 3000 hommes. Il est en train de perdre contre le duché de Poméranie. Ça n'a rien changé à sa taille, j'imagine. Toi, est-ce que je peux... demander une revendication. T'es indépendant, ça me va. Je devrais être assez proche pour attaquer ça derrière. On va faire ça, ça va me prendre 2 ans, ça ira bien. 14 mois. Tu te balades aussi. Toi, tu gères le domaine. Dans 6 mois. Ah, on m'a invité à la chasse. Tant pis. Toi, oui. Très bien. Ah, bah, c'est pas loin. Laisse-moi changer d'itinéraire pour passer par là et passer par là. Voilà, on fait une petite boucle au retour. Très bien. J'aurais peut-être pu abandonner, mais. Aucune. Très bien. Il reste 5 mois ici. Parfait. Nouvel atout ici, parfait, bientôt on aura à prendre sur le tas, c'est très bien ça. À prendre sur le tas, vous allez voir, ça va être de la folie. Alors, on a quoi? Ici. On va payer. Ça coûte 50, mais je crois que je peux les revendre 80. Ok, de la renommée, de la renommée, excellent. Bande de nuisibles. Ouais, c'est pas grave ça. Je dois sauver les apparences. Parfait. Acculons l'eau. Commandant promu. Qu'est-ce qu'il vaut?
Qu'est-ce que tu vaux? 4 et 5. Ouais, en jouant mon armée, y a pas de problème. Tu mourras peut-être. Ok, est-ce que je suis devenu chasseur? Toujours pas. C'est pas grave, on rentre bredouille, c'est pas très grave. Ah si, plus 15. Je suis à rien près. Merci. Fuis dans un cachot. Jamais. Ils sont où? Ils sont au nord. Ils ont d'espoir. Ils ont vraiment beaucoup d'espoir. Les hommes d'armes, chargés. Je suis intrigué. 50% de chance de devenir jardinier. Non, les pieds sur terre, érudition plus 2 pendant 10 ans. 21%. On est rentré à la maison. On va aller chasser les autres. Hein. Il dit à mon ami, c'est cool. Ah, j'ai même pas eu besoin de me battre. Ah bah, ils viennent me voir. Il vient d'avoir une tapisserie. Alors, autant dire que la tapisserie ne sert à rien. Parce qu'on a déjà ça ici, qui est renommé plus 0,12. Et ça, durée de court règne. Ouais, c'était nul. Mais c'est pas grave. Viens là. On va l'exploser. L'autre, il va débarquer là où il veut. Et on va l'exploser. Les rebelles, heureusement qu'ils se baladent pas à eux. Ça m'aurait embêté de les poursuivre. Légèrement supérieur, très bien. Voilà, ça c'est fait. Très bien. Maintenant, toi, monterai 21 mois. Très très bien. On peut rançonner. Rançonnons. Toi, t'as pas de tuteur, Arias. Bon, bah toi, 19. Il est pas très érudit, mais c'est pas grave. Roi de France fait la guerre au Danemark et à la Lituanie. Ok. Ah oui. Ah oui, la France, ça s'est bien étendue.